Toujours dans le cadre du management de l'entretien routier, nous allons parler des techniques de traitement de dégradation. Il faudra retenir que nous avons quatre grandes familles de dégradation, qui sont les déformations en un, les fissures en deux, les arrachements en trois, les mouvements de terre en quatre. Pour les déformations, nous retiendrons l'orniérage à grand rayon, l'orniérage à petit rayon, l'affaissement des rives, l'affaissement aux rives, le gonflement, le bourrelet transversal, le décalage de joint, la tôle ondulée, le flambement. Pour les fissures, nous retiendrons les fissures transversales longitudinales et méridionales, les fissures andales, les fissures de joint, les fissures diverses, le faïençage, le faïençage circulaire, la cassure d'angle, les fissures obliques. Pour les arrachements, la liste n'est pas exhaustive, il y en a même pour le mouvement des matériaux, le ressuage, l'indentation, la remontée de fil et les rejets de pompage. En parlant d'affaissement, on peut le noter à partir d'une épaisseur moyenne de 5 cm. Pour réparer cela, il faut mettre en place l'accélération temporaire, délimiter la section sous forme géométrique simple, nettoyer la section, répandre une couche d'accrochage à raison de 0,500 kg par mètre carré, épandre les enrobés à froid, régler les embruns à froid à l'aide de la raclette, vérifier la pente, compacter 4 passes minimum, nettoyer la chaussée, enlever la signalisation temporaire. Ça, c'est le modus operandi pour résoudre un problème, ou bien pour régler un problème, pour réparer un problème d'affaissement. Quand l'affaissement est supérieur à 10 cm, c'est le même processus, sauf que pour là, il faudra penser à cet moment, arroser et malaxer la grappe naturelle existante. Il faudra mettre à l'air. Et là, ce n'est plus de l'enrober à froid, mais c'est de l'enrober pratiquement à chaud, à raison de 1,8 kg par mètre carré. Les flashs. Il y a aussi le modus operandi pour réparer les flashs, pour réparer les tôles ondulées, pour réparer les bourrelets, pour réparer les fissures à grande ouverture, pour réparer les fissures à petite ouverture, pour réparer tout ce qui concerne le faïençage à petite ouverture, pour régler les problèmes de profondeur, les problèmes de nid de poule, nid de poule quand c'est supérieur à 10 cm, les pelages. Le pelage sur enduit bicouche, le désenrobage, le glaçage, le plumage, les remontées d'eau, les remontées de boue, le ressuage, comme on l'appelle en sandwich, les empreintes. Et pour toutes ces dégradations, vous allez voir, aussi bien dans le narratif que dans la documentation qui vous sera fournie, comment reconnaître telle ou telle autre dégradation. Et maintenant, en se basant sur ces diapositives, vous voyez un peu le modus operandi pour régler les problèmes de formation qui ont été enregistrés. Je vous remercie.